Parce que je m'appelle 234 Lyonceau, on est pas seul, on est 4444 guerriers dans le monde des Wawa, on est là pour Smooth Channel, les Warriors, on est 4. Alors, ça commence maintenant. Smooth TV. Dylan Joe Warrior, à l'état civil, Kwasi Kwaku Joël. Yo la mif, c'est un homme Warrior, petit de Wawa. Tu connais non, t'es 22 ans, à l'état civil, si c'est Adama, on bouge pas. Nom de famille, brutalité, prénom, Kunta Kinte, âge, ça suit. En esprit, c'est les Warriors, on est là pour tout casser. Ici à Chirama, Samar, l'enfant de la prophétie, puis son épreuve par la Balotelli. Carré de là que ça bouge pas. On débute le rap comme tout passionné de musique. On commence, ça nous trouve donc à l'école, pendant qu'on est encore au lycée, tu vois, chaque vendredi et autres, dans les freestyles, les week-ends et tout. C'est comme ça qu'on a débuté vraiment le rap. Maintenant, pour dire la carrière musicale, ça c'est venu après. Les Warriors sont un groupe, on aimerait collaborer avec Nidio, Niska. Bon, ça c'est en groupe, hein, mais personnellement. Même en groupe, les gars, groupe, même en groupe, Nidio, ils sont trop tus. Il y a trop. Migos, frère, voilà. Bella Boy. Voilà. Bon. Aujourd'hui, il y a des progrès, hein. Voilà, parce que tout commence en bas et puis au fur et à mesure on évolue. Step by step. Voilà, depuis le début, on n'avait pas de producteurs, c'est nous-mêmes, on gérait nous. Après, comme on a décidé de faire une bonne carrière, on est venu plus à Abidjan pour se focaliser sur ce qu'on veut faire. Et je crois qu'il y a des évolutions parce qu'on est signé par DJ Arafat, frère à son âme. Le rap ivoire commence à prospérer en tout cas. On commence à nous regarder. Il y a plus l'accent sur les Ivoiriens en tout cas. Moi je pense que si on se focalise vraiment sur notre musique, si on continue, ça peut arriver quelque part en tout cas. Jeff Jarl, Afrique, Universal Afrique, et puis Sony Afrique. Si vous voyez tous ceux qui sont rassemblés pour venir en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a du potentiel. Vous voyez, non, il y a du potentiel, il y a beaucoup de talents. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc du coup, la Côte d'Ivoire. C'est parfait. Il faut les regarder, on est là pour ça. Que chaque séance studio a son énergie en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les séances studio sont pas pareilles. Comme la séance studio avec Arafat, moi pour enregistrer. Moi, tout le monde m'aime pour kiffer. J'aime bien le bois. Tout le bois. Alors les Warriors ont tourné le dernier clip, enfin de poignons, on a tourné le clip il n'y a pas longtemps avec Constant Akari, vous savez au passage, un petit qui est très talentueux. Streamer les gars, c'est maintenant ou jamais. On est regardé où? Allez là, les Benguisa. Je vais pas dire non du nom collègue, mais en tout cas il y a un petit qui regarde encore du voix ici, c'est lui celui qui Jafou. Donc nous aussi, là, encore tu joues, que je démène, on va dire que nous sommes Jafou. Ce soir là, on a regardé un peu Pauvre Ator, les morts Pauvre Ator, alors on a chanté pour nous, on veut avoir quelque chose de nous. Enfant de poignons, on veut quitter la Zermi. Tu trouves faire des voyages en Madrid. En gros, les gars, vous allez voir un peu quelque chose. On ne veut pas dire, mais vous allez voir, on est un groupe, non? C'est qu'on fait pour vous. Hein. Vous allez voir, quand 2027, vous nous avez appris. Moi, mais il est dans 2 ans. Mais tu sais, dis là, c'est quand? Non, mais 2027, nous verrons. 2027, on est les babatiers. Merci. Longue vie, beaucoup de santé, le reste on va acheter. Smooth TV. C'est les Warriors, c'est les 4, on est là pour Smooth Channel, t'as pas compris, ah. Dors. Smooth Channel. Yes, sir. On dit Smooth. C'est bon, on a compris. Smooth Channel.